Salut tout le monde, c'est Xilox, et donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Thorax. Hello! Fan de Monsieur Artinox maintenant. Eh ouais! On est sur le serveur AZRCraft. Ouais. Voilà, voilà. PvP faction magie. Donc, on monte les sorts maintenant ou pas? Ouais. Tu vois? On monte les sorts maintenant? Ouais, voilà, Donc il y a Fireball, il y a Geyser qui fait ça, Volley. Sachez qu'il y a pas faire. Et Under Chest qui vous ouvre Under Chest tout simplement. Donc nous on a notre base là-haut, je vais monter. Aïe. Oh, bon, je refais un dernier magique pour le fun. Fait plaisir. Bien sûr, je l'ai fail. J'en fais 15, j'ai réussi tous. J'en fais un, je rate. Donc voici notre base, donc là il y a de quoi faire les potions, de là de petites. N'appuie surtout pas, mais. Fais gaffe, n'appuie jamais sur F3. T'inquiète. Après donc là on a tout ce qui est dans les coffres, tout ça, tout ça. Donc on a ma tête, la tête d'Artinox, de Eastaze, je sais pas si tu es connecté, de Wither. Voilà, et tout ça. Donc il y a souvent des events. 2-3 fois par jour. Ouais, donc comme si c'est pas, c'est pas des events give, vous connaissez, vous allez avoir 4000 stacks de pump sheet, des full P80, etc. quoi. Par exemple, c'est genre hier, il y a des événements jump, mob arena, PVP. Et voilà. Et juste pour expliquer, quand, je sais pas si t'as montré ton ender chest ça, tout là, donc on dirait qu'on voulait du P4, du P5, etc. en émeraude, c'est simplement qu'on peut faire des crafts en émeraude. Attends, bah, de... Mais bah, en fait, tout simplement, vous avez la possibilité de faire des crafts en émeraude, c'est-à-dire, il y a des arcs modifiés, des arcs, par exemple, le... Ghost spawn, on va vous montrer tout ça. What, qu'est-ce qui se passe au spawn, je crois. Donc là, après, on va se faire une petite un petit AP, parce que hier, ouais. J'ai gagné un event, du coup, je me suis fait 100 000 $. T'as gagné deux events. Ah, regarde, tu moi comme j'ai fait ma vidéo présentation juste avant. Ouais, donc il a fait sa vidéo présentation, je fais la mienne. Si jamais vous voulez avoir un pillage, allez voir la chaîne de Artinox. Ouais, bah premier pillage le jour où on est arrivé sur le CR. Donc là c'est pour crafter 15 chelets. Donc à la place de mettre ça par ça, vous pouvez faire ça directement. Et l'arc c'est comment ça? En gros, vous tirez une flèche, le gars il va être. Ah, je crois qu'on peut le faire celui-là, il y a des trucs de squid. Vas-y, bon, on verra ça. Après. Non, et après il n'y a plus rien, les prochains trucs, regarde sur moi. De l'autre côté. Non, bah ça, tu m'en rattrapes pas. Juste pour vous dire, ouais, donc si vous voyez du P5, c'est normal, parce que le stuff en émeraude P5... Excusez-moi, il n'y a que le stuff en émeraude qui peut être De l'autre côté, c'est à gauche. Ah bon? Oui, il me semble bien, oui. Ah bah, oui, voilà. Et donc voilà, les crafts en émeraude, par exemple. Il faudrait qu'on fasse pioche en émeraude. Le casque, là, c'est la pioche. Ah, mais on a plus d'émeraude. Bon, en gros, nous, ce qu'on fait... Oups. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est tout simplement que du PVP, du coup, quand on va pas les farmer pendant 8 ans des spawners, etc. Du coup, bah, en fait, on ne fait que du PVP, c'est ce qui explique juste nos stuff. En fait. Donc, par exemple, comme event, il y a genre jump, PVP, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mob Arena, Spliff. Là, tout à l'heure avec. Il y a encore le slash house. Bah, non, il y a pas. Bah, là, tout à l'heure avec Artinox, on a créé un event ping-pong. Ouais, event ping-pong qui sera sans doute fait ce soir. Ouais, je vous mettrai la vidéo si jamais on. Fait l'event ce soir. Ouais. Et puis voilà. Slash MC en fait, ce qu'on spawn bug. Qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer le Jap. Slash Warp, là, vas-y. Slash. Donc si vous faites slash warp, ça vous dit pas les warp. Mais il y a le slash warp shop. Ça sera coupé au montage. Donc voilà les gens. Ça c'est le grand shop. Vas-y, non. La magie du montage, j'adore. Vous pouvez pas comprendre, mais hein, on se comprend. Allez. Si, si, moi, je vais tout dire. Ta gueule. Il y a sa mère qui vient de l'appeler. Voilà, on a très bien compris. Du coup, vous pouvez vendre et acheter le fer. Donc, pour vendre, c'est taper. Et pour acheter, c'est clic droit. Mais ta gueule. Là, il y a le lapis. Bon, il y a tous les minerais. Tous les minerais. Ah, bah, mec, regarde les mots, le prix que ça coûte, mec. 50 000. Okay. Attends, en fait, si vous trouvez un village pendu, vous êtes riche, je vous le dis direct. Bah mec, t'as la base, tout à l'heure la base de zombies que j'ai pillé, mais en fait, je pensais que ça allait être nul, mais en fait, j'ai eu 15 spawners. Là, Ah oui, en fait, les spawners, on peut les récupérer avec une skill touch. Là, 10 000, oui, tu m'as déjà dit. Donc là, tout, en fait, avec Artinox, on va sûrement faire une tour en mob tout à l'heure. Et pour vendre tous les loots.
Donc en fait bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tous les loups beaucoup... Mec, en fait je me rends compte que c'est que dalle. Il y a juste ça là, qui coule. 3000, 60, 100, 125, 100. C'est toujours une petite source de revenus comme ça, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en fait ça va être beaucoup plus cher, mais en fait mais ça fera à peu près 5000 loot par heure. Non, un peu plus. Bon, à peu près. T'as 3-4 stacks de sulfate. Puis mec, honnêtement, les nuits qu'on passe, mec, on se prend avec de Minecraft, on dirait. On en laisse un AFK ici, on en prend l'autre sur Epicube ou sur... Oui, c'est bien dire. Bref, ouais, du coup, c'est un sort PVP magie, ce qui est pas mal. PVP magie, réservé au premium en MP8. Ouais, comme ça, enfin, moi, je sais pourquoi, parce que j'ai pu en parler avec les fondateurs, ce qui est normal. Ce qui est normal aussi, qu'il fasse ça. Ouais. Si vous êtes craqué, que vous cheatez, vous allez être ban. Même banni, c'est pour revenir avec le PN, ils vous rendent en cheatant, etc. Du coup... Les gens vont être moins tentés de cheater puisqu'ils seront qu'ils sont bannis, ils ne vont pas revenir. Et voilà. Bon, pour certains sur le serveur, hein, ça les arrête pas, hein, les serveurs qui pourraient être ban. Ah tiens. Donc si vous faites cette commande, vous aurez un Magic Carpet, c'est un tapis volant en gros. C'est HMC. Bon, mais je sais pas comment ils font les gens, ils peuvent avoir un art chest et table de craft. J'ai toujours pas compris. Ouais, oui. Slash M N en MP non slash M voilà M point d'exclamation XCKKM lol. Qu'est-ce qui se passe quand je tape mon clé? Je vais aller spawn, je vais vous montrer quelques AP. Bon, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce que les gens va falloir directement foncer sur la gauche et c'est les deux mieux en face sont déjà un peu destroy à gauche. À gauche, ok, bah j'y vais. À gauche, t'inquiète pas mec, je vais faire une putain de grosse chute. Parce que dès que j'arrive dans la warzone, ça va me l'enlever. Est-ce que j'ai des bots phaser folie? Non. Donc en fait, pour descendre, vous mettez en sneak tout simplement. Est-ce que je l'ai dans mon under chest? Oui. Aïe. On va juste les mettre pour pas... Ça t'as dommage indicateur là ou pas d'activer? Ouais. Regarde-moi. Regarde, tu vas voir la vie que je vais perdre. Tu perds pas de vie? Si, j'ai perdu un demi-cœur. Une vierge, j'ai rien perdu. Phaser folie 4, mec. C'est ça ce qu'il faudra qu'on essaye d'enchanter, mec. Ah, des bots? Des bots de Phaser Falling. Ah, comme ça, genre, les mecs... Dans notre AP, mais comme ça, si on tombe dans notre propre AP, parce qu'un peu con, on meurt pas. Et bon, je t'ai perdu de vue. Une perle, frère. Ouf. Donc prends, voilà, ça c'est une des AP. Donc vous connaissez bien le truc, tac, vous tombez. Donc là, il n'y a pas de fil. C'est juste un truc... voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oh, con! Merde! Ah, touche-toi sur Under Chest. Bref. Arrête ça. Voilà. Notre... j'ai frappé. C'est notre petit jeu, c'est un pays. On s'adore. Hein. Elle est là, où? C'est un truc où vous descendez. Yo, regarde-moi. Je t'ai que... YOLO. Donc, genre... Voilà, je suis rentré, salut. Mec, je suis rentré. Bah mec, viens, on fait un mini pillage. Y a pas de coffre. Si. Ah ouais, il y en a deux. Il y a même un petit coffre là. T'as un briquet? Slash... non. Slash... On va chercher un, je prends les écrits. Bon bah les gens, du coup, la petite vidéo pillage, la petite vidéo présentation, Bon, c'est juste pour le 3, là, on va piller ces deux petits coffres, on va voir ce qu'il y a dedans. Oui, il n'y a pas grand chose, non, pas quand j'ai fait péter les coffres. Full P5. Ok. En émeraude. Donc en fait, c'est pas très difficile de rentrer dans cette base, ils auraient dû fermer ça. Mais même, vous pouvez rentrer avec un arbre. Pilla, DST, Islax, PVP. Et voilà. Des œufs de creep weed 3 que tu m'as donné hier. Vas-y, fais péter le briquet. Attends, d'ailleurs là j'ai un petit freeze. Hop là, c'est... Ah, encore un petit freeze. Donc ouais, les creepers, vous pouvez les ennemis qu'avec des briquets. Et bref, ok. Y'avait rien. En même temps, depuis qu'on a pété le zord coffre, c'est normal qu'il... Peut-être qu'il se barre. Attention, on recule. Non, bah c'est bon. De la merde. Ah si, des entonnoirs, c'est bon. Bah mec, viens d'abord, on va les faire péter d'ailleurs le reste de leur entonnoir en fait. En bas? Passe par là. Quoi? Faut qu'on passe par là. Ah, mais t'es passé devant moi, t'es sérieux? Au pire, on s'en fout, non? Use bug, mec. Peut pas. Non, peut pas, oui. Allez. Bon,
Je vais descendre par là, ça ira plus vite. Non mais de toute façon on peut pas faire pipi. Bon au pire mec on arrête là parce que du coup ça va... Enfin y a rien. Ouais bon après je pense qu'il y a plus rien, il y a juste des douves. Très peu de stuff je suppose. Non moi j'ai presque déjà tout fait péter. Ouais. De toute façon il y a des portes. Ben elle est ouverte la porte, là il y en a une autre, elle est ouverte aussi. Donc voilà, bon il y avait plein de coffres ici, on les a tous fait péter sauf ici. Je... Oh, j'étais là aussi je te signale. Ah oui, bah c'est... Oui bah oui. Dans les premiers coffres ici il y a rien. Parce que je sais ce qu'il y a avant que quand il y a eu un rollback du serveur, j'ai commencé à faire péter. Et j'ai rien eu. Et on va quand même faire péter juste pour les entraîneurs. Pour l'attraper. What, mec, j'ai une patate qui s'appelle Kiwi Hall. Lol. Ce sera la mascotte à venir. Bon, bah... Donc je pense qu'on va s'arrêter là, c'est une petite vidéo. Attends, go à la base. Go à la base, c'est pour finir la vidéo. Ok. Attends, Estes. Donc le ping pong, oui, c'est celui-là qu'on fait. Soit on fait un jump, soit le ping pong. Bon, le jump, je vous le dis clairement, le début du jump. Bon, il saura que c'en est des grosses merdes. J'ai réussi à finir 5ème ou 6ème, mais c'était chaud quoi. Non, j'ai même pas fini. Donc, regardez, je vous montre vite fait le coffre. Pour l'instant, on a pas mal de trucs. Parce qu'on a réussi à piller tout ça. Donc, par exemple, Wobo, c'est tout ce qui fait un émeraude. Bon, c'est que du F1, c'est du Diams qui peut être P5. C'est juste ça. Hein. Si vous le faites en Diams formal, vous pourrez pas avoir du P5. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. N'est-ce point. N'est-ce point. Attends, bah, donc, attends, attends. Et en bas, j'ai pas un dernier MLG tous les deux. Ouais. Moi je veux pas. Vas-y, je t'attends. Non mais attends, wesh, mec. C'est moi qui a inventé l'event ping-pong. Il va vouloir faire ça. Moi je le fais en premier, tu le fais ensuite. Allez, 3, 2, 1, go. Putain, je le... Ouais, mec, attends, j'ai même pas... Attends, putain, mais... M'en fous, je veux le faire. Non. On te regarde. Bah, j'ai passé plus d'une heure cet après-midi à faire des MLG, non, beaucoup plus que ça même. Et... Putain, l'eau veut pas partir. Et là, j'y arrive pas. What, mec, j'ai plus d'eau. Si, il faut que tu recliques là où il y allait. Je te baise. Et t'as réussi, mec, et t'as réussi. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça en ferait sûrement d'autres, genre pour des events ou des pillages, des trucs comme ça. À partir de lundi, on commence le let's play PVP façon là-dessus d'ailleurs. De quoi? À partir de lundi, on lance le PV, le let's play PVP faction. Oh, ok. On n'a jamais parlé, mais bon. Si, mais je t'avais dit qu'on allait faire un let's play. Non. Si. Ouais, apparemment, j'étais au courant. Bref, voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Donc allez liker celle de Sorax aussi pour le piège qu'on avait fait tous les deux. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde. Ciao.